Ici Jess Archambault. Les Cuisiniers différents est un organisme d'insertion socio-professionnelle en pleine effervescence. Bien, les Cuisiniers différents, c'est un organisme qui intègre au milieu du travail les gens vivant avec une déficience intellectuelle. On parle de déficiences intellectuelles diverses, troubles du spectre de l'autisme. Notre but, c'est d'avoir un plateau de travail, un espace de travail, je devrais plutôt dire, supervisé et adapté en fonction là, des besoins et des limitations de chacun. Notre univers, bien, en grande partie, c'est la cuisine, un univers routinier qui est parfait pour eux. Fait qu'on leur, on leur trouve quelque chose à faire là, avec nous pour aller pour se réaliser. Mon nom est Chantal Pagé, je suis directrice générale des Cuisiniers différents. À la base, on offre un service traiteur communautaire à prix économique, que ce soit pour des compagnies côté corporatif, pour monsieur, madame, tout le monde, pour des lunchs à la maison, également pour offrir du répit aux familles qui ont des enfants à besoins particuliers, ou également notre clientèle là, pour les familles avec des jeunes adultes en déficience intellectuelle. Je m'appelle Eric Nang, je fais 31 ans. J'aime travailler ici, les différents. Je travaille un peu tout. Je fais de fermeture, les sacs, fermer tout, les biscuits, fourchettes. Aujourd'hui, je mets la soupe dans le sac. Chaud, chaud, chaud. Étienne est en soutien avec nous à la cuisine. Étienne aime bien tout ce qui est routinier. Belle autonomie, Étienne, également. Puis avec la clientèle, lorsqu'ils viennent au comptoir de repas prêts à manger, bien, Étienne est facilement capable de les servir également aussi, ce qui apporte une autre dynamique avec la clientèle. La pandémie est arrivée, on était dans notre première année d'opération. On a changé notre offre de service à ce moment-là. Donc, on s'est vraiment retourné pour être d'une partie, étant donné une partie en livraison pour notre clientèle habituelle, qu'on a continué à faire, et l'autre partie qui était vraiment là, au service de la communauté, en lien avec Centraide, la bouffe du Carrefour, dans le secteur La Flèche, on cuisinait pour les démunis. Fait qu'on cuisinait là, aux alentours de 900 plats là, à 1000 plats par semaine avec la bouffe du Carrefour pour les gens du secteur La Flèche. Mon nom, c'est Shelby Trépanier. Moi, j'aime la télé. J'aime le sport, j'aime ma famille et j'aime ça cuisiner. Shelby, pour différents problèmes de santé, questions de sécurité et tout, les parents ont décidé de garder Shelby à la maison. Mais Shelby fait partie de l'équipe et Shelby voulait apporter son soutien. Shelby nous fait du télétravail à la maison. Du côté avec notre contrat avec BMR, qui est un client à nous, on avait besoin de faire emballer des masques dans des petits sachets avec deux masques. Et puis Shelby nous fait cette tâche-là à la maison, nous donne un bon coup de pouce. Je prends deux masques, je mets dans les sacs. Après, je mets dans les boîtes. Quand ils sont plein, finis, là, je prends la machine et je les sélecte. Parce que j'aime ça, travailler avec des masques, parce que je veux pas perdre un peu le virus. J'aime ça très beaucoup.